Un mauvais gars, dans son état normal, sûrement comme toi et moi. Personne lambda dans la foule effacée. Mais son problème, c'est son sinistre secret. Ce n'est pas un vampire ou encore un loup-garou. C'est un secret fréquent, un des mots de notre temps. Comme pas mal de gens qui s'alcoolisent hors limite, notre bon docteur réveille les démons qui l'habitent. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. L'un débarque quand l'autre finit sous la table. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Pas né d'une éprouvette mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Dr Normal et Mr Comptoir. L'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Dr Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr Connard qui vient prendre le contrôle. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Besoin d'aller chercher dans la fiction pour voir des monstres sortir des bas-fonds. Va juste te promener en sortie de bar tard pour pouvoir croiser de sympathiques cauchemars qui cachent leur âge au hasard. L'homme des cavernes de retour au 20e là, au siècle des fermentations, du distillat de Hyde sans modération. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. L'un débarque quand l'autre finit sous la table. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Pas né d'une éprouvette mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Dr Normal et Mr Comptoir. L'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Dr Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr Connard qui vient prendre le contrôle. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Normal et Mr Comptoir. L'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Docteur Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr Connard qui vient prendre le contrôle. Ah, c'est Docteur Jekyll et Mr Hyde. Je veux te parler, alors si tu peux arrêter de jouer pour que je parle. C'est Docteur Jekyll et Mr Hyde. Arrête de jouer, je veux dire un mot. Parce que t'as l'air super sympa. Alors, Tarry, si tu veux arrêter de jouer quand je suis.